Compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous embarque pour une motivation ménage du jeudi. J'ai pas mal de choses en retard. Je suis laissée aller, j'ai laissé la maison un petit peu entre guillemets. C'est la reprise, hein. Il faut reprendre un rythme qui n'est pas encore arrivé. Là, on n'a pas encore trouvé. Donc la première chose que je vais faire, c'est d'étendre les draps qui sont là dehors. Je vous prends, il est hyper tôt puisque le soleil n'est même pas encore levé. Il est 8h moins 20, quelque chose comme ça. Monsieur, il est dehors, mais il veut rentrer, donc je vais le faire rentrer juste après. Et là, je vais d'abord étendre mon linge sur le grillage, autant qu'il soit utile le grillage. You said it was the last time, but you keep coming back to tell me. Sorry that you take back all the things you said. Just... Ensuite, je ramasse les serviettes qui étaient propres de la veille et je vais étendre le reste des housses de couette ou il me semble que c'était des thés d'oreiller. Là, je vais déposer les enfants à l'école et je reviens juste après pour nettoyer ici puisqu'on a le pisciniste qui arrive pour réparer ce qu'il y a à réparer. Là-bas, il y a de l'air qui sort du filtre à sable et ici, ce qui n'est pas normal. Et on a une fuite au niveau de la bombe de fond alors que ça fait même pas un mois qu'on a la piscine. Donc autant vous dire qu'on a été très mécontents sachant qu'il n'a pas fini le travail. Il veut nous brancher le surpresseur de l'aspirateur là-dessus. Et moi, j'ai un copain pisciniste, il m'a dit absolument pas, tu lui interdis parce que dans 3 ans, ça pète et tu auras des dégâts, il faudra tout refaire. Et en plus de ça, il veut qu'on lui règle les 30% restants alors qu'il n'a pas commandé la bâche et qu'il devait commander la bâche, qu'elle était censée arriver. Et lui, il veut qu'on paye les 30% restants pour commander la bâche alors qu'il a déjà eu 70% du devis le mec. Donc ça c'est clairement pas possible. Moi je paye les 30% restants quand mon chantier est terminé et que tu t'en vas et que t'as plus rien à faire ici. Je vais pas te payer là pour soi-disant se commander et en fait le mec il se casse et je vois plus mes sous. Je crois qu'il a vu la Vierge. Moi je vais lui dire que Lourdes c'est à côté, on est à 2 heures, mais la Vierge elle est apparue là-bas mais pas chez moi, hein. Donc je sais pas ce que vous en pensez vous, mais franchement c'est pire en pire les artisans de nos jours. Une fois de retour de l'école, eh bien j'essaie de ranger comme je peux. J'ai pas encore de rangement concernant les bouts, etc. Mais ça viendra bientôt. Voilà, c'est rangé, ça c'est un copain, il faut qu'on lui rende. Les plantes, il faut que je mette sur des petits chariots et ça va rester là, mis à part celles qui vont être plantées, mais pas aujourd'hui.
Tout ce qui est boue, etc. Il faut que je trouve un grand coffre pour mettre à l'intérieur. J'en ai vu chez Lidl. Pour ceux qui les ont en plastique, les grands coffres, dites-moi ce que vous en pensez, s'ils sont petits ou pas. C'est pour ceux qui l'ont déjà. Donc tout ça aussi ira. Ça aussi, les bouées, les brassards, etc. Et donc voilà, c'est plutôt clean. Après là-bas, j'ai laissé le bordel tel que c'est pour que le mec il s'en occupe. Enfin, du moins, s'il vient. Et ensuite, je mets toutes les serviettes et les maillots de bain à laver. Ça ne fera pas de mal à un bon lavage. M'occuper de la chambre des filles. J'ai changé les draps hier soir, il y avait des traces de chocolat, donc autant vous dire que quand elles sont venues ici, ni les mains ni les bouches étaient lavées. Donc je vais m'occuper du reste de la chambre de Ambre. Pour la chambre de Ambre, rien de plus simple, je vais mettre tout ce qui est par terre sur le lit, ensuite je vais dépoussiérer la chambre et je vais passer un coup d'aspirateur serpillière. Donc c'est un aspirateur qui est nouveau, que je vous ai présenté dernièrement sur ma chaîne, qui aspire et lave en même temps et ça fait aussi les coins, donc je vous invite à aller voir la vidéo dédiée si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me demander en commentaire, je vous mettrai le lien. Et ensuite, je ne ferai pas les fenêtres parce que voilà, ça sert à rien, elles sont plutôt propres. Là, je suis en mode, je ne fais plus les fenêtres toutes les semaines puisqu'il n'y a plus de pollen et elles sont relativement propres. Et concernant les poussières, je nettoie toujours avec une microfibre et le mobile brille de chez Shogun. Et donc l'aspirateur en question, c'est le Proscenic P11 Mopping que je suis en train d'utiliser. Là, j'utilise la fonction aspirateur et ensuite je vais utiliser la fonction aspirateur serpillière. Et une fois que c'est fait, je vais exactement faire la même chose dans la chambre de Jade, la plus grande, sachant que j'avais aussi enlevé ses draps la veille. Donc voilà, je procède exactement de la même façon. Et pour vous donner une ordre d'idée, j'ai mis environ un petit quart d'heure pour faire les deux chambres, enfin pour faire chaque chambre, un quart d'heure par chambre. Time for me to let you go. I know that it's time for us to part, though it breaks my heart. Baby, it's time for me to face the truth and say it out loud. I don't know you anymore. Thank you.
Ensuite, ma machine à laver était terminée. Du coup, je viens étendre les serviettes que j'ai mis à laver. Et comme ça, ce soir, ce sera sec. Vu que là, comme vous pouvez le voir, le soleil est sorti et il fait grand soleil. Je décide ensuite d'aller cueillir mes tomates puisqu'il y en avait plein, c'était chargé, donc je vais les cueillir, je vais les laver, je vais les rincer, les essuyer, enlever eh bien la queue qu'il y a au-dessus, on va dire, et je vais tout mettre au congélateur. Pour les laver, rien de plus simple, je les passe juste à l'eau. Ensuite, je vais les mettre sur une serviette et je vais prendre du sopalin, je vais les essuyer une par une et je vais enlever la petite queue qu'il y a au bout. Je les mets ensuite dans des sacs de congélation et puis après je les mettrai au congélateur. Et cet hiver, quand je voudrais faire des rougailles, etc., saucisses, peu importe, eh bien j'aurai tout à ma portée. J'aurai pas besoin d'acheter de tomates. Au dépôt de mon mari, on va couper des plaques USB pour consolider mes tiroirs dans mon dressing qui se fond, qui se casse la figure tout simplement. Donc là, on va en couper 4. Vous pouvez le voir, mes tiroirs, ils se cassent la figure, surtout dans le fond. Donc il va falloir les réparer, remettre bien la plaque correctement pour ensuite mettre la plaque USB à l'intérieur. Une fois rentrée à la maison, j'enlève les vêtements pour voir si les plaques elles sont bonnes ou pas, si on les a coupées à bonne dimension ou pas. Ce sera pour la prochaine vidéo puisque les côtes ne sont pas bonnes vu que les tiroirs, enfin les plaques sont épaisses. Il faut couper encore un bout dessus, donc il les fera demain. Donc je vais vous montrer ma commande de chez Temu. Du coup, c'est deux commandes qui sont arrivées l'une après l'autre. Il faut savoir que Temu, plus vous commandez des petites commandes et plus vous avez des gros pourcentages en réduction plutôt que de faire une grosse commande groupée. Donc c'est parti. Donc, j'ai commandé un petit appareil photo comme ceci que j'ai eu à moins 90%. Donc il est comme ceci, vous pouvez faire des jouets, la qualité photo est ouf. Il y a une carte de mémoire de 8 Go à l'intérieur. Hop, donc il est comme ceci. Voilà, donc j'ai pris en bleu. Vous pouvez faire des vidéos, des photos, il paraît qu'elles sont d'excellente qualité. Le connecter à l'ordinateur, le recharger, il y a des jeux et il y a de la musique aussi. Il y avait différents coloris, bleu, rose ou vert. Et donc ça, j'ai eu, enfin je vous mets le prix, mais voilà, j'ai eu à 7 euros et quelques. J'ai ensuite commandé cet ustensile pour le ménage. C'est pour nettoyer l'intérieur de vos canalisations. Voilà, quand on nettoie l'intérieur des canalisations au niveau des lavabos, des robinets, etc., il y a toujours des mauvaises odeurs, il y a toujours des dépôts où on a du mal à nettoyer. Donc cette brosse-ci, c'est fait pour. Ensuite, j'ai commandé des cotons-tiges. Qui était il y en a 100 et qui était à moins d'1 €, donc ça vaut vraiment le coup comparé au prix qu'on paye en grande surface. J'ai ensuite commandé ce plateau qui, je pensais, était plus épais. C'est pour ranger tout ce qui est, vous savez, moi, tout ce qui est liquide vaisselle, etc. Je mets sur dans des bouteilles à pompe et du coup, c'est pour mettre les bouteilles à pompe là-dessus. Par contre, je pense que c'est pour le liquide vaisselle.
sera trop grosse puisque c'est du 1 litre. Mais bon, il est plutôt pas mal. Et je crois qu'il y a la même chose à Action, mais en plus grand. Ensuite, j'ai commandé un petit cutter que l'on voit partout sur les vidéos. Donc ça, c'est vraiment le truc gadget. Hop, le petit cutter, voilà. Il y avait différents coloris aussi. Et je me suis commandé des chaussons que l'on voit un peu partout sur internet, puisque le chien a mangé mes chaussons, qui sont super bien emballés. Donc j'ai pris en taille 38, il me semble. Je vais regarder s'ils sont bons, 38-39. Et je vais voir s'ils sont bons pour moi. Mais en tout cas, je les trouve trop jolis. Ensuite, deuxième commande. On va utiliser notre petit cutter. Donc en deuxième commande, j'ai cette housse pour mon coussin, puisque le chien a mangé ma housse. Je ne sais pas si ça va rentrer à l'intérieur. J'ai l'impression qu'elle est quand même assez petite, la housse. Je vais voir si jamais ça ne rentre pas, je la renverrai, puisque je peux renvoyer les articles gratuitement sur le site. Ensuite, j'ai commandé des doigtiers, c'est pour Ambre, parce qu'elle a vraiment du mal à tenir son stylo. Donc j'en ai pris deux pour l'instant. Et puis je verrai si ça lui convient ou pas. Donc c'est pour l'apprentissage de l'écriture, bien tenir son stylo. Donc vous mettez le crayon à l'intérieur et vous mettez les doigts. Comme ça, il ne bouge pas. C'est pour vraiment apprendre à écrire, quoi. Et vous mettez le stylo à l'intérieur. Donc pour l'instant, il n'y en a que deux. Et on verra comment ça va avec elle au niveau de l'apprentissage. Et si ceux-là, ils sont bien, je recommanderai d'autres. En dernier lieu, j'ai commandé une mini enceinte qui est d'ailleurs très petite. C'est une mini enceinte Bluetooth pour écouter de la musique, parce qu'on prend toujours celle de Ambre, nous, qu'elle avait reçue avec son parrain. Du coup, c'est une mini enceinte Bluetooth comme ceci. Vous connectez, vous pouvez le charger. Connecter à l'ordinateur pour charger et puis vous l'allumez et puis c'est pour écouter de la musique. Elle est toute mignonne et toute petite. Et au niveau des chaussons, voilà ce que ça donne avec mes chaussettes. J'avais des chaussettes, j'étais en basket aujourd'hui. Je vous avoue que la petite plateforme elle est assez bizarre, puis le fait de rien avoir derrière le pied. Mais sinon ils sont très très beaux, je trouve. Au niveau du plateau, voilà ce que ça donne. Comme je vous le disais, il était un peu petit par rapport à ce gros bidon de liquide vaisselle. Donc ici c'est un petit présentoir que j'ai acheté à Ikea et que j'ai détourné pour mettre tout ce qui est éponge à l'intérieur. Ici on a le liquide vaisselle de chez Everdrop et ici c'est pour se laver les mains. Mais voilà ce que ça donne. Mais voilà, j'aime beaucoup le fait que ce soit ici sur le côté et que ça reste pas sur le plan de travail. Ben, je trouve que c'est déjà pas mal. Après, si je pouvais trouver plus grand, je prendrais plus grand, par contre, rien que pour que lui il aille bien sur le plateau. Le coussin, voilà ce que ça donne. Finalement, c'est bon et je vais vous montrer de suite comment ça donne sur le canapé avec les deux coussins. Donc les deux grands, voilà ce que ça donne. Ça, c'est celui de chez Action et lui, c'était la même chose, mais il m'a été bouffé. Lui, bon, ben, pleut un peu par contre. Je vais le mettre plutôt dans ce sens-là. Et j'ai deux petits coussins de la même couleur, mais je vais les changer puisque je vais changer la housse de couette et je mettrai pendant la déco d'automne des coussins assortis à la saison. Donc pour l'instant, les deux autres sont comme ça, mais je me tâte à prendre un rembourrage supplémentaire à Action pour qu'ils soient un peu plus bombés, parce que là, je trouve qu'ils sont pas trop bombés, et dans tous les cas, ceux-là, je vais les laver parce qu'ils ressemblent plus à rien. Ils étaient censés être blancs cassés, ils sont plus blancs cassés du tout, il y a des taches, etc. Donc voilà ce que ça donne, et voilà, moi j'aime bien finalement celui-là de chez la housse de chez Timus, c'est en version bouclée en plus, moumoute, franchement, c'est trop trop beau.